7 septembre, 15h11, centre de détention, parloir. Bonjour vous, je ne pensais pas avoir de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touchée. Bonjour, je voudrais vous poser quelques questions. Oh non, pas vous! Espèce de sale avocat! Allez au diable! Vous êtes venu vous moquer de moi, hein? Oui, vous moquez de mademoiselle Eout, déchue et anéantie. Non, pas vraiment, je voulais juste... Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions? Espèce de sale tête de porc épique! Allez, c'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur au gardien de la sécurité. Laissez-moi sortir! Enfin, je veux plus être seul avec elle! Ah! Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein? Ah, non, bah c'est bon en fait. Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé? Ah, eh bien tout simplement, je... Eh, vous savez quoi? Je peux pas vous blairer. Alors allez vous faire voir. Cassez-vous, parce que moi je refuse de coopérer. Merci, j'avais remarqué. Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler... Bon ben, bonne journée, hein? Ouais, c'est ça. Je vais bien m'amuser dans ma cellule. Fête de journée! Ouais. Et si je rendais une petite visite à Ravensburg? Histoire de voir s'il a changé d'avis sur l'affaire de Maya. Oh. 7 septembre, cabinet d'avocat, Ravensburg. On dirait que Ravensburg est sorti aujourd'hui. Une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite, pour une raison ou pour une autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sur son bureau. Un dossier ouvert avec deux photos. Le dossier se nomme Affaire SO6. Le premier document est une photo de profil d'une femme. J'ai l'impression de connaître cette personne. On verra après. Et le second document est aussi une photo de profil. C'est un homme avec un grand sourire, les cheveux violets et un costume jaune. Je pourrais peut-être emprunter cette photo. Je suis sûr que personne ne remarquera l'absence d'une petite photo. Puis il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder quelque temps. Bon, je ferai mieux d'aller à l'hôtel pour fouiller la chambre de mademoiselle Eout, vu qu'elle est en détention. 7 septembre, hôtel Sophie, hall d'accueil. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Oh non, 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 pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel Sophie. En un mot commençant, merci. Merci beaucoup, mon ami. Comment ça, la réputation de l'hôtel Sophie? Vous allez devoir fermer à cause de moi? Oh, mais pas du tout! Notre hôtel adore les ragots. Encore hier, une de nos femmes de ménage s'est faite agresser par un politicien français. Désolé. Ah mais non! Non, 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 c'est super pour le business. Depuis 2 jours, il y a des tonnes de paparazzi devant notre hôtel. J'ai même été interviewé par Jean-Pierre Pernaut en duplex. Alors imaginez la folie lorsqu'ils apprendront que l'hôtel Sophie a hébergé un assassin. On pourra facturer un supplément pour la chambre. On mettra des bruits d'ambiance de tronçonneuse. Non mais vous n'avez rien suivi en fait. On pourra faire des escape games dans la chambre d'à côté. Allô? Et puis si ça marche, on pourra privatiser tout un étage pour ce thème Halloween. Ça sera un gros plus pour les affaires. Oui, enfin, mademoiselle Eout n'a pas été accusée de meurtre. Rendez-vous compte, moi aussi je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté des accessoires à l'assassin à la grosse poitrine. Pourquoi j'ai la sensation de vivre dans une mauvaise parodie Javras? Bon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes notre invité d'honneur. Venez par ici. Et hop. Et voilà. C'est votre badge de VVIP. VVIP? Oui. Very, very important person. Il n'existe qu'un autre badge comme celui-ci, et c'est Monsieur SK qui le possède. Pourquoi vous me mettez dans le même panier que ce type? Grâce à ce badge, vous êtes ici comme chez vous. Tous vos désirs seront des ordres. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vraiment. Bon bah... profitons-en alors. Vous pouvez regarder cette photo? Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Hein? Oh! C'est lui, inspecteur! Non, moi je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois. Vous comprenez? Non, pas vraiment, non. J'en mettrai ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Julie Eout. Vous savez quoi? J'aimerais faire une copie de cette photo pour décorer notre futur escape game. Je vous fais une déclaration sous serment indiquant que c'était bien lui.
en échange. Ça vous irait ? Une déclaration sous serment ? Ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Super ! J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment en échange d'une copie d'une photo de la personne qui accompagnait l'assassin à la grosse poitrine. Génial ! Contentez-vous juste de l'écrire, d'accord ? Oui, tout de suite, monsieur. Voilà. Parfait. Dans sa déclaration, il a décrit l'homme qui était à l'hôtel avec Mademoiselle Eout le soir du meurtre. Elle ne pourra plus faire semblant d'être innocente avec cette preuve. 7 septembre, centre de détention. Parloi. Salut. Encore vous ? Mais vous ne comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir ! Eh oh ! Si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler ! Ah ! Alors c'est ma faute maintenant ! En plus de votre tête de porc épique, vous avez le cœur qui pique ! Ha ! Vous y attendez pas, celle-là ! Ok, quand cette affaire est terminée, je me rase la tête. Bon. Regardez un peu ça. Écoutez, je vous ai dit que je n'ai rien à... Où avez-vous ? Ha ha ! Une réaction ! C'est bien lui, hein ? C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre. Non, non, c'est faux. Bien tenté, mademoiselle, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui, hein ? Oui, des preuves. Montrez-moi des preuves. Oh, mais bien sûr ! Tenez, pourriez-vous lire ce document ? Hein, mais qu'est-ce que c'est que ça ? La déclaration sous serment du groom. Il m'a raconté tout ce qu'il a vu. Il m'a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé et m'a dit qui c'était. Ah ! J'arrive enfin à quelque chose. Bon, c'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer les innocentes. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi ? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse s'en donnerait à cœur joie avec sa réputation. Bon, très bien. Je vais parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Oui, enfin j'ai réussi. Enfin j'ai réussi. Pourquoi est-ce que vous gesticulez comme ça ? Bon, dites-moi plus sur cet homme. C'est mon patron. Monsieur Ruby Emerald, le président de Sapphire Corp, une société de collecte d'informations. J'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. J'ai peur d'en parler. Je ne veux pas finir comme elle, vous comprenez ? Alcoolique ? Non, c'est peu probable. Vous n'avez pas de boisson de votre cellule et... Non, je veux dire, je veux pas finir assassiné. Ah. Bon, bah je vais directement lui poser la question à ce... Monsieur Emerald. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Sapphire Corp ? Si ça peut me permettre de ne plus voir votre tête de porc épic, ça me va. Monsieur Ruby Emerald, enfin, je vais pouvoir vous attraper. Puisque ça ne peut pas être Julie et Août, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. 7 septembre, Sapphire Corp SA, bureau du PDG. Monsieur Emerald, un type souhaite vous parler de toute urgence. Oh, parfait. Merci, ma petite. Regardez-moi, 3 masters, des mentions à tous mes examens, et on me demande de faire secrétaire. L'épanouissement professionnel, tu parles. Tu parles, je t'ai certainement pas choisi pour ton CV. Merci beaucoup, Marine. Et bienvenue à vous. Quelle est votre appellation, très chère ? Quoi ? Votre nom. Comment vous appelez-vous ? Je me demandais juste, curieusement, quelle était votre appellation d'origine ? Wright. Phoenix Wright. Curieusement ? Monsieur Wright, c'est bien ça ? Comment vous l'écrivez ? Comme ça se prononce. Je plaisante, enfin, oui, je vois. C'est splendidifique. Vous êtes peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque, n'est-ce pas ? Ce type a vraiment un problème. Peut-être qu'il est confus. Vous faites un AVC ? Non, je suis Ruby Emerald, le PDG de Sapphire Corp. Vous savez... Présence, distinction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite, la pépite du Golden Cookie. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbueusement moins doués et faisant partie d'une plèbe telle que la vôtre. Ok, sa folie lui inflige des dégâts cérébraux. Laissez-moi deviner, vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça ?
Oui, ce sont des jeux de mots, hein. Vous savez, j'ai déjà écrit des blagues pour Carambar. Vous feriez un très mauvais guacamole, en tout cas, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un petit avocat chez un homme tel que moi? Wow, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, Mademoiselle Ehout fait partie des employés de Sapphire Corp, n'est-ce pas? Correct. C'était mon ancienne secrétaire. J'ai été obligé de la remplacer directement par ma comptable. Vous vous rendez compte? Ma pauvre comptable doit maintenant faire les basses besognes dont s'occupait Mademoiselle Ehout. Enfin bref, quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait dans ce sordide hôtel. Ce qu'elle a fait... Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Absolument. Elle est payée pour répondre au téléphone et non pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous, mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Ces méthodes pirates 2.0, si je puis dire. Cette attitude est vraiment ineffable et dangereuse pour Sapphire Corp. Je dirais même que ces méthodes de gredin ne seraient employées que par de vils truands. On dirait qu'ils tentent de faire passer Mademoiselle Ehout pour un bouc émissaire. Je me posais une question. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Julie Ehout? Oh, qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise, c'est... Oups, I did it again. Quoi? Vous avez couché avec Mademoiselle Ehout? Vous aussi? Ça n'a rien à voir avec cette affaire, c'est personnellement personnel. Et comme je le disais, je prête peu d'attention aux détails anodins, que ce soit Mademoiselle Ehout ou une autre. Vous savez, un trou est un trou... Malgré tout, Monsieur Emerald, le groom de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Peu importe. Le groom peut dire ce qui lui plaît, je ne vous dirai rien. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Même si je doute que vous en soyez capable. Il soulève une question importante, en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Julie Ehout. Au fait, quel type de société est Sapphire Corp? Ah, excellente question, mon ami. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Genre, saviez-vous que 96,3% des Espagnols possèdent au moins une scie à bois? Et saviez-vous aussi qu'un enfant sur six sera un jour ou l'autre kidnappé par un Néerlandais? Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. En 10 ans seulement, j'ai bâti une affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Regardez ma table là par exemple. Elle est très très belle. Extrêmement belle. Jamais vu une table aussi belle, hein, vraiment. Et si vous posez la question, le nom de Sapphire Corp vient d'une pierre précieuse du même nom. C'est moi, Ruby Emerald, en tant que fondateur et PDG de Sapphire Corp qui a adopté ce nom. Et pourquoi, me demandez-vous? Et parce que... j'adore Pokémon. Très bien... mais vous n'êtes pas... trop vieux pour jouer à Pokémon? Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien à qui vous parlez et où vous avez mis les pieds. Alors je vous le redemande, qui êtes-vous? Un avocat? Non, mon pauvre ami. Un simple avocat, sans aucune valeur, nada, que dalle. Vous êtes un rond, tout comme cet avocat minable, Ravensburger. Alors que moi je suis une étoile, avec une attaque spéciale. Quoi? Oh, une attaque sauvage! Mais il m'a donné un coup de poing! Et au tapis après une pichenette! Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Hein? Quoi? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux, Google, ils sont tous à mes pieds. Je ne vous demande pas de comprendre, cela dépasse votre entendement. C'est Ravensburger qui vous a envoyé ici, je présume. Vous voulez dire Monsieur Ravensburg? Alors posez-lui la question. Pourquoi il ne veut pas représenter Mademoiselle Fée? Peut-être qu'il vous le racontera. Et il vous expliquera aussi peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Allez, partez maintenant. Fichez-moi le camp. Je n'ai plus rien à vous dire. Marine? Monsieur Wright va quitter le bureau. 7 septembre, cabinet d'avocat, Ravensburg. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit... raclement de gorge. D'où Jésus? Mais c'est vous! Qu'est-ce qui ne va pas?
Vous aviez l'air si pensif, comme un vieil homme en fin de vie. Quoi ? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais juste à toute cette pagaille. J'ai assisté au procès d'aujourd'hui. Et oui, et quelque chose me tracassait. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, voyez-vous, c'est juste... La sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat ? Je pense avoir le droit de savoir maintenant que je me suis fait tabasser. Ah oui d'ailleurs, comment se fait-il que vous ayez un œil au beurre noir ? Je suis allé chez Sapphire Corp. Oh, je vois. Monsieur Emerald a utilisé une de ses capacités secrètes sur vous. Point comète ? Non, il a utilisé la force contre moi. Monsieur Ravensberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon ? Quoi donc ? Dites-moi tout, mon garçon. Je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur Emerald et vous. Un lien, dites-vous ? Oui, un lien... intime. Comment ? Non ! Je le savais. Ils sont amants ! Non, nous ne sommes pas amants. Pourquoi vous lisez dans ma tête ? Pour gagner sa vie, ce Ruby Emerald a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Sapphire Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans qu'ils sont amants ? C'est une longue relation. Tout cela à cause de l'affaire SO6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'aviez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. Ce Monsieur Emerald m'aurait détruit. C'est donc ça le lien ? Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon. Mais arrêter Ruby Emerald relève quasiment de l'impossible. Il faudrait une arme plus puissante que des preuves pour l'attraper. Une Master Ball ? Ce que je veux dire, c'est qu'il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police, homme politique, charcuterie, fromagerie, boulangerie et même pâtisserie. Quoi ? J'ai déjà passé un mois entier sans pouvoir manger aucune pâtisserie lorsque j'ai commencé à poser trop de questions sur lui. C'était intenable. Cette affaire manquait beaucoup trop de gourmandise. Ah, oui, je comprends. Toutes ces personnes, tous ces artisans, ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça! Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Vous pouvez m'en dire plus sur l'affaire SO6 ? SO6 correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante ? Son nom était Missy Fay. C'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a, à ce jour, toujours pas été élucidé. C'était ça, l'affaire SO6. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter, Monsieur Ravensberg ? À l'époque, l'affaire SO6 était classée top secret. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert, je lui en ai parlé. Quoi ? Vous l'avez dit à Emerald ? Ne me regardez pas comme ça ! Il m'a offert une boîte remplie de toutes sortes de pâtisseries. Oh oui, vous pouvez me juger, mais il y avait des chouquettes ! J'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'en ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendues. Bien entendu, Emerald en a entendu parler, il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. Emerald contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à sombrer dans l'alcool. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Très bien. Je vous remercie de votre aide, Monsieur Ravensberg. Non, c'est moi. C'est la moindre chose que je puisse faire. Et surtout, faites attention à vous. Monsieur Emerald est un homme dangereux. Oui, j'avais pu le comprendre. 7 septembre, cabinet d'avocat, Fayenko. Bon, Monsieur Ravensberg a dit que je trouverais des indices. Je devrais peut-être regarder ça de plus près. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées dans cette armoire. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner ? On va voir si l'un de ces rapports attire mon attention. A, B, C, D, E... F ! Missy Fay, la mère de Mia et Maya. J'éternis l'image de la famille.
Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidée à trouver ceux qui avaient contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entrée en contact avec les morts. Finalement, les noms de deux hommes me sont apparus. L'un était Samuel Ravensburg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de sa gourmandise. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse. Ce parasite, qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... Mia a renversé une grosse quantité d'alcool sur la fin du rapport. Bravo, Mia! Donc elle savait que Ravensburg était manipulé. Voyons voir les autres dossiers. J.A.S. Peut-être parcourir ses rapports vite fait. Chevras, Newton, Portail... Ouais, bah y'a rien d'intéressant là-dedans. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide. Oula! Y'a un tas de rapports sur des suicides. Homme politique, officier de police, boulanger. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. Émeraude. C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. Émeraude les a tous poussés à... Je peux utiliser ces coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Ah, celle-là fera l'affaire. Continuons. Peut-être vérifier s'il y a des dossiers sur Ruby Emerald. Voyons voir. Il est où le E? Revenons au début. E, E. E. Ah oui, il est où le E? Ah, il manque toute la section E. Est-ce qu'elle aurait été dérobée? Bon, une autre petite visite chez Monsieur Ruby Emerald s'impose. 7 septembre, Saphir Corp SA, bureau du PDG. Monsieur Emerald, à nouveau quelqu'un pour vous. Ha, tiens, voici Monsieur Wrong. Non, c'est Wright. Non, non, ne me remerciez pas. On peut dire que vous êtes têtu, en plus d'être mal coiffé. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter, mais le message n'a pas l'air bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de très mal tourner. Suis-je assez clair avec vous ? Limpide. Cette coupure de presse, c'est le seul indice que Mia m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur Emerald, vous voyez ça ? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait secrètement des fonds publics. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne ? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Yes ! Mademoiselle... Mia ? Elle avait tout un dossier nommé « Suicide » rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot. Emerald. Ah, intéressant. Monsieur Emerald, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous le faisiez chanter. Chanter ? Et pas seulement lui. Vous menaciez et tyrannisiez des centaines d'autres. Oh, vous voulez dire que j'organisais une chorale ? Non. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de votre société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas ? Quelle drôle d'accusation, Mr. Wong. Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment ? Enquêter sur moi ? Non, 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 je ne pense pas. Vous devriez plutôt être à la recherche de l'assassin de Mademoiselle Mia, qui est une autre personne que moi. Évidemment. Secrétariat, j'écoute. Marine, Monsieur Wrong va partir. Très bien, monsieur, j'arrive. Une minute, monsieur Emerald. Vous avez tort. Je vous demande pardon. Je devrais m'occuper de votre cas. Qu'est-ce que vous insinuez ? Mia était sur vos traces. Elle vous avait à l'œil. Et c'est pour cette raison que vous aviez demandé à Mademoiselle Julie Hout de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors, le coupable est... Alors, monsieur Emerald, même un enfant trouverait la réponse. C'est vous qui l'avez tué. Oui, je vois. Oui, oui, secrétariat, j'écoute. Vous deviez pas déjà être en route pour le bureau, vous ? Enfin, quoi qu'il en soit, inutile de raccompagner monsieur Wrong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Ah, bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. Monsieur Emerald ?
C'est vous? Ça rime à quoi de ma place à Torcy? Allô, monsieur le procureur général? J'ai changé d'avis. Je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire m'y a fait, enfin. J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi? Vous aviez dit de ne pas vouloir venir au tribunal. Du calme. Je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Ha! Autre chose. Faites venir la police à mon bureau tout de suite. L'homme est juste là devant moi. Il a l'air ahuri, mais il pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, Hitman. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Monsieur Emeraude, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police sur le champ. Et ce n'est pas une question. Bien. Ne vous l'avais-je pas dit, monsieur Long? Vous n'êtes qu'un simple avocat. Comme l'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous, vous aurez l'air doué. Inspecteur détective au rapport, monsieur. Ah ah! Dance! Pole Dance! Vous ici! Encore! Wright, en fait. Je m'appelle Phoenix Wright. Ah ouais! Pardon. Désolé, mon gars. Dance, c'est ce meurtrier, c'est ça? Inspecteur détective, je vous présente le meurtrier de mademoiselle Miafé. Hein? Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Et de préférence, dans une geôle qui contient le corona. Adieu, monsieur Wrong. Vous n'allez pas le croire, inspecteur! Après tout ce qu'on a vécu ensemble? On n'a rien vécu ensemble. Désolé, mon gars. Bon, bah, j'ai tenté. 8 septembre, 15h37. Centre de détention, parloir. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit écoulé 15 jours depuis le premier procès. Je vais être jugé demain. Emeraude va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu. Hanteur compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. Mais j'ai refusé car j'ai une idée. Right? Phoenix! Oh, Mia! Non, Maya. C'est génial, ils vous ont libéré. Oui, ce matin même. C'est grâce à toi tout ça. On va pouvoir fêter ça en allant manger un burger. Malheureusement, non. J'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Attends. Quoi? Tu veux dire que... Ok, écoutez-moi. J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Et à ma mère, ma sœur, et maintenant toi? Sans micro. Phoenix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Ok, écoutez-moi. Je veux que vous m'aidiez à sortir d'ici. Tu veux parler d'une évasion? Oui, ce soir, c'est notre seule chance. Eh bah, ça tombe bien parce que juste après ma sortie de prison, j'ai été voir un ami pour qu'il me tatoue le plan de la prison dans le dos. Tu pourras sortir facilement grâce à ça. Ah? Mais... vous êtes pas en prison avec moi? Ok, je vais aller acheter une scie à métaux avant que les magasins te ferment. Oh, oh, et une corde et une voiture pour nous enfuir. Tu sais conduire ou pas? Attendez. Quoi? Je plaisante, c'était une blague l'évasion. Mais c'est pas vrai? Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Et de toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller dire ces quatre vérités à ce type. S'il n'y en avait que quatre. Un conseil, n'y allez pas. Par contre, vous pourriez venir au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. J'aurais jamais cru qu'un jour, je me retrouverais à nouveau dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça. Ce sera lui ou moi. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.